Bonjour et bienvenue au Luxembourg, ou Moyen und herzlich willkommen, comme disent les Luxembourgeois. Je m'appelle Nico Thielen, je viens du Luxembourg, et ensemble avec Luxembourg for Tourism, je vous remercie d'être là pour cette édition de Lucie TV. Si vous vous êtes posé la question, Lucie TV tire son nom de l'ancienne forteresse de Luxembourg, qui s'appelait autrefois Lucilline Bourhouk. On est maintenant en direct avec vous en tant qu'expert et enthousiaste de voyage. Et comme on est en direct, ce sera interactif et vous pourriez nous poser vos questions dans le formulaire prévu à cet effet. Des mois très durs sont derrière nous et aussi derrière le secteur touristique. Et c'est peut-être le bon moment de regarder dans le futur. Car on sent que les gens ont retrouvé leur goût de voyager. Et c'est également cela que nos études ont montré. En tant que luxembourgeois, je suis toujours et encore surpris de l'offre énorme du point de vue touristique que propose le Luxembourg. Et de cette offre, on a pris quelques éléments et on va vous les montrer dans cette édition de Lucie TV. Comme je l'ai dit, on est en direct et depuis le sud du Luxembourg, une ancienne région industrielle, ce qui se voit encore de nos jours. Et plus précisément, on se trouve à Dudelange. On est devant le château d'eau et le Pommhaus. Et avec moi, j'ai Paul Lesch. Bonjour, good morning. Good morning. Donc le Pommhaus, pour commencer avec le Pommhaus, qu'est-ce qu'il y avait autrefois et qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui? Voilà, le Pommhaus, c'était la salle des pompes et qui se trouve au pied d'un château d'eau. Et c'est en fait, ce sont des vestiges d'un site industriel d'une époque où le Luxembourg était très actif au niveau donc, de la production d'acier. Et la tour qui date de 1928 a donc été un château d'eau. Mais depuis une dizaine d'années, il a été rénové et c'est devenu un lieu de culture, tout comme le Pommhaus, un lieu de culture, c'est-à-dire un lieu où on peut voir des photos, des expositions de photos, mais aussi d'autres genres d'expositions. En fait, la cuve et le socle ont été rénovés de telle manière que ça devient un espace assez impressionnant pour toutes sortes d'expositions. La même chose est vraie pour le Pommhaus. Alors le Pommhaus, c'est aussi un lieu qui permet d'organiser non seulement des expositions temporaires, mais aussi des concerts, des pièces de théâtre, des conférences, des fêtes, etc. Donc c'est un lieu de convivialité et de culture. Et on essaye d'attirer un grand public ici, des gens intéressés par la culture, mais aussi par la nature et bien sûr par l'histoire industrielle du Luxembourg. C'est très varié et c'est opéré par le CNA, c'est-à-dire le Centre National de l'Audiovisuel. Quel est le rôle du CNA? Alors le CNA qui se trouve juste en face, là, c'est une archive audiovisuelle et photographique. On a donc la fonction d'archiver et de conserver, mais aussi de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel et photographique luxembourgeois. Au-delà de cette mission, on a aussi des missions donc, de production en mettant en valeur nos collections. On le fait à travers des expositions, la production de films, la production de livres, de documents sonores. On a aussi une mission au niveau éducatif. On organise des formations pour professionnels et pour amateurs au niveau photographique et audiovisuel. Et bien sûr, on a deux salles de cinéma et une médiathèque qui, eux aussi, jouent un rôle important dans cette éducation. On est particulièrement fiers en tant que CNA d'une collection qu'on a et qu'on montre d'une manière permanente, pas ici à Dudelange, mais à Clairvaux, dans le nord du pays, où on peut voir d'une manière permanente, en fait, l'exposition The Family of Man de Herbert Steichen, un photographe d'origine luxembourgeoise, américain, qui en 1955 a organisé cette exposition et qui a fait le tour du monde pendant des années
années et depuis maintenant 1994, on peut la voir à Clairvaux. Donc c'est une exposition qui fait partie en fait du registre de l'UNESCO, de la mémoire du monde, et c'est vraiment quelque chose où j'invite tout le monde de venir visiter cette exposition, tout simplement parce que c'est une visite, c'est l'exposition photographique la plus vue au monde, tout simplement parce que depuis 1955, plus de 10 millions de personnes l'ont déjà vue, mais il y a encore de la place pour d'autres visiteurs, donc on est content si vous venez non seulement à Dudelange, mais également dans le nord du pays, à Clairvaux, où on peut la voir dans le château de Clairvaux. Effectivement, c'est très impressionnant. Donc, au nord du Luxembourg, à Clairvaux, on peut toujours la visiter, l'exposition photographique la plus visitée au monde. Y a-t-il des nouvelles collections ou des nouveaux projets de prévus prochainement ? En fait, on vient d'acheter une collection d'un industriel allemand, Lutz Teutloff. C'est plusieurs centaines de photos qu'il a collectionnées au cours de sa vie, il est décédé entre-temps, selon la philosophie de la Family of Man, mais des photographies contemporaines depuis les années 70. Et en fait, on va les installer dans un bâtiment en face du château de Clairvaux, afin que ces photos-là puissent dialoguer, des photos plus modernes, puissent dialoguer avec les photos choisies par Edward Steichen pour son exposition The Family of Man, donc qui date de 1955. Paul, je vous remercie pour cette première petite excursion. Et on en a bien d'autres qui suivront. Notamment, va-t-on vous amener en randonnée dans la région du Mullertal, aussi surnommée la petite Suisse luxembourgeoise. Et pourquoi tel est le cas ? On va le voir juste dans quelques instants. Après, on va faire un tour à vélo le long de la Moselle, aussi une excellente région de vin. Et à ce moment, on a une petite surprise de prévu pour vous, mais celle-là, on va la voir après. Après, on va passer dans la capitale vibrante et multiculturelle de Luxembourgville et on va vous montrer la scène artistique et culturelle du pays un peu en général. Notre dernier highlight de cette édition de Lucie TV sera alors Esch 2022. Notamment l'année prochaine, Esch sur Alzette sera la capitale européenne de la culture. Passons donc à notre premier sujet, la randonnée. La randonnée, c'est un peu un moyen d'échapper à la vie quotidienne et peut-être au stress quotidien. Et c'est une activité que beaucoup de Luxembourgeois ont redécouvert. Maintenant, on va vous emmener sur un des top trails du Luxembourg, le Mullertal Trail. On y va. Le trail t'attend. Tes pas, ton souffle, ton regard, les feuilles murmurent. On hume leur senteur. Des chemins étroits, marches escarpées, gorges profondes, crevasses étroites dans les rochers, petits ponts et passerelles, cascades. Le Mullertal renferme un passé géologique et des mystères. Pyramides, visages dans les roches, des fées qui dansent, gouttes qui tombent. Où se cachent les trésors de la Dame en or ? Comment les meules sont-elles arrivées de la roche au ruisseau ? Est-ce que ce sont les empreintes du diable sur cette pierre ? Eau paisible. Repose-toi au pied du château. Rêve du passé. Puis continue, un pas après l'autre, mètre après mètre. Pars à la conquête du trail. Ne fais qu'un avec lui. 112 kilomètres. Lesquels sont les tiens ? Nous nous trouvons maintenant dans le Pomme House et j'aimerais bien vous présenter nos invités. En commençant par Valérie Quiles. Bonjour, coordinatrice internationale de culture Elix. On a un expert enthousiaste de vélo avec nous, Philippe Erkrat. Bonjour.
On a Marianne Origeur de l'Office régional du tourisme de la région du Mullertal, bonjour, dont on vient de voir la vidéo. Et après, Thierry Courten de Esch 2022 nous rejoindra. Marianne, personnellement, je peux confirmer que les images qu'on a vues sont aussi fascinantes en réalité que sur la vidéo. Peut-être dans la pandémie, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait peut-être un peu plus de gens que d'habitude ? Tout d'abord, les images sont encore plus fascinantes en réalité, on peut le dire, on n'a pas l'impression. Absolument. Mais c'est vrai, la pandémie a certainement renforcé cette tendance de vouloir faire de la randonnée, d'aller dans la nature, de se ressourcer, se libérer l'esprit et de bouger en même temps. Ça fait du bien pour la santé physique et mentale. Donc certes, c'est la redécouverte d'une passion ou ancienne ou alors vraiment la découverte nouvelle. Et aussi peut-être la reconnexion à la nature, ce qui peut être très sain pour le corps et le mental également. Personnellement, qu'est-ce qui rend le Luxembourg unique en termes de destination de randonnée ? Je pense que c'est tout à fait le territoire. Donc les territoires très petits, on a la possibilité de découvrir une multitude de paysages différents, comme on a vu dans la vidéo, les formations rocheuses. Ensuite, si on veut avoir un côté un peu plus sportif, c'est l'Escapardenne, les trails qu'on peut faire dans le nord du pays, dans l'Eslec. Ensuite, il y a les boucles de rêve à la Moselle. On est dans les vignobles et dans l'ouest du pays, là, les Gutland Trails, et dans le sud du pays, le Minette Trail. Et tous les sentiers sont bien balisés, c'est un balisage moderne, uniforme, on ne peut pratiquement pas se perdre. On est effectivement en direct et vous pouvez poser vos questions en direct. Et on a une question qui est venue par rapport à la gastronomie, et notamment, ça peut rendre une randonnée encore plus attractive. Pouvez-vous donner quelques exemples ? Bien sûr, il y a pas mal de restaurants qui offrent une très très bonne gastronomie, des très bons produits. Mais on a aussi des groupements de producteurs très actifs qui offrent de bons produits sur place. Par exemple, on a vu le château de Beaufort. On peut y déguster le cassero qui est toujours produite dans les caves du château. Ensuite, à la Moselle, les vins, bien sûr. Donc, il y a une multitude. Et pour la randonnée, pourquoi pas prendre son sac à dos, pique-nique et faire son pique-nique en forêt. Y a-t-il aussi des services spéciaux adaptés à la randonnée ? Absolument. Il y a le système Move We Carry qui est très pratique pour le randonneur. Donc, il peut se randonner à son aise. Il n'a pas besoin de prendre ses bagages. Son bagage est transféré ou livré à son adresse de destination, donc il est libre. Ensuite, au Mullertal, il y a les Mullertal Trail Partenaires, des hébergements particulièrement favorables aux randonneurs. On est accueilli pour une nuit seulement, on est bien conseillé pour sa promenade, donc ça c'est très bien aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'on voit vraiment qu'au Luxembourg, on peut goûter aux bonnes choses de la vie, tout simplement « the good life ». Prendre un bon repas ou un bon verre, relaxer dans la nature, c'est aussi une chose qu'on peut très bien combiner avec un tour à vélo. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant aussi avec Mike. Mike McQuaid est un Américain qui habite au Luxembourg depuis 2014 avec sa femme. Et sa femme est venue ici pour des raisons professionnelles. Et au début, il n'a pas connu la première chose au sujet de Luxembourg. Les mythes, il aurait pu le confondre à Liechtenstein. Mais avec le temps, il a vraiment appris à adorer le Luxembourg. Aujourd'hui, il va nous amener sur un tour à vélo dans la région de la Moselle. Moyen, be gated, ascend to Mike. Today, I want to take you on a bike ride through the Moselle region. We're in Mondorf, in the southeast corner of Luxembourg. This place is the Parc Thermo. It's a 45-acre haven of just idyllic greenery. The park features many attractions, not to mention the renowned spa resort. But Mondorf is famous for something else. 2010 is a year that Luxembourg sports fans will never forget. Because that's the year that Luxembourger Andy Schleck won the Tour de France. Andy Schleck and his brother Frank grew up here in Mondorf, which makes this the perfect place to start our bicycle journey.
We're in Schengen, and the sky is blue and the sun is out. And the reason you're allowed to travel freely throughout Europe is because of an agreement that was signed here. And Schengen has several monuments marking this historic agreement. Let's go have a look. Here in Schengen, we'll hop on the cycle path that follows the Moselle River. Next stop, Hofrimisch in the village of Remerschen. This was once a vast gravel pit, but now it's a nature reserve rich in flora and fauna. We'll just leave the bike here for now. So, to learn more about Hofrimisch, stop by here at the Biodiversum. It's a conservation center with exhibits detailing everything there is to know about this area. But for now, let's just take a walk, check this place out. Hey, how you doing? Nice bike. Following the Moselle, we make for Vermeldange and on, riding the PC3. It follows the Moselle River to Wasserbillisch, and then the Sauer River to Reisdorf, and from there the Ur River to Vianden, which is why it's called the Piste Cyclable des Trois Rivières, which is cycle path of three rivers. Vermeldange is a charming riverside village with numerous vineyards that produce excellent wines. The town is also crowned with a little gem I'd like to share with you. As you can see, the road tilts upward, and so you're going to have to channel your inner Andy Schleck. I don't think Andy Schleck did this when he went up the Col du Tourmalet. Look at that view. Honestly, this is just a fraction of all the things you can discover in the Moselle region. But don't take my word for it. Come see for yourself. While I enjoy some of the best the region has to offer. Adi ciao. Tip top. Mike McQuaid, un gars vraiment sympathique qui aime aussi son vin, son verre de la Moselle. Et je dis qu'il est sympathique, en fait, il vous a amené quelques bouteilles également. On est en direct et vous pouvez gagner vos bouteilles maintenant en nous envoyant par message le mot « Prost ». Ce qui ne veut dire rien d'autre que « Chin Chin » en luxembourgeois. Donc, si vous nous l'envoyez, vous avez une chance à gagner une bouteille de ce crémant fameux de Luxembourg. Comme Mike, il y a beaucoup de Luxembourgeois qui sont amateurs de cyclistes. On a même déjà été appelé la nation vélo, ce qui est sans doute lié aux événements, mais aussi aux victoires que des Luxembourgeois ont gagnées lors de, par exemple, la Tour de France, comme Mike a dit. Aussi pour les touristes, ils sont très contents de Luxembourg en termes de destination de randonnée, comme 90% d'entre eux ont évalué le Luxembourg avec très bien et le recommanderaient même à d'autres cyclistes. Plusieurs d'entre eux sont aussi des personnes qui étaient déjà au Luxembourg à plusieurs reprises. Nous avons aussi avec nous un enthousiaste et expert de vélo, Philippe Arkrat. Bonjour. Bonjour, de provélo.lu. Donc pour toi, le Luxembourg, qu'est-ce qui le rend unique en termes de destination de cyclistes ? Alors ce que moi personnellement j'apprécie beaucoup, c'est d'un côté la beauté, mais surtout aussi la variété des paysages qu'on peut découvrir ici en vélo, et ceci même sur des distances assez courtes. On l'a entendu, le Luxembourg c'est un pays assez petit, mais quand même on a une grande richesse à découvrir en ce qui concerne les pistes cyclables. On l'a vu dans la vidéo avec Mike, avec la piste cyclable qui longe la rivière, qui traverse les vignobles. Si on vient
plutôt dans la région Red Rock dans laquelle on se trouve actuellement, c'est le patrimoine industriel et les sites d'extraction du fer qui vont dominer le paysage. Ensuite, vous avez aussi dans le nord du pays, dans le Sling, où le profil est un peu plus vallonné, mais vous avez aussi une scènerie très rurale qui est composée de forêts et de champs. Donc, vous trouvez vraiment une grande variété sur un petit territoire. Sur un petit territoire, beaucoup de régions. Combien de kilomètres de pistes cyclables a-t-on à peu près ? Donc actuellement, on a le réseau national des itinéraires cyclables qui est composé d'un peu plus de 600 kilomètres d'itinéraires. Ce sont principalement des infrastructures séparées du trafic. On est vraiment en sécurité, parfois aussi des routes avec faible trafic. À ceci s'ajoutent encore différents réseaux régionaux ou communaux qui sont plutôt sur des routes à faible trafic, mais eux aussi, ils vont compléter ce réseau national. Et finalement, pour les gens qui préfèrent plutôt faire du VTT, on a encore 700 km de trail pour VTT qui vont composer une quarantaine de différents tours qu'on peut explorer. Et ça, c'est bien des 700 km qui se rajoutent aux autres pistes cyclables. Exactement, oui. Y a-t-il des services que les cyclistes peuvent utiliser ? Oui, donc un service très important, je pense, c'est le Bed & Bike. C'est un label qui a été élaboré en Allemagne et qui, depuis une dizaine d'années, est aussi arrivé au Luxembourg. Et ce label va certifier des établissements d'hébergement qui sont particulièrement accueillants aux cyclistes. Il y a certains critères qu'ils doivent remplir. Par exemple, ils doivent mettre à disposition un abri vélo sécurisé pour que les visiteurs peuvent dormir tranquillement sans se soucier de la sécurité de leur vélo. Il y a aussi, en général, une offre d'un petit déjeuner qui est adapté aux besoins des cyclistes, c'est-à-dire très riche en vitamines, riche en hydrates de carbone pour vraiment avoir de la force pour une journée en selle. Ils offrent des outils pour faire des petites réparations au vélo, donc c'est tout un tas de différents services qu'ils offrent. On a encore d'autres services au Luxembourg. Le Move We Carry a déjà été nommé. Il peut aussi être emprunté par les cyclistes, donc eux aussi peuvent profiter d'une liberté lorsqu'ils vont faire leur tour sans devoir emmener leur bagage eux-mêmes. Et puis finalement, je pense que c'est aussi intéressant de savoir qu'au Luxembourg, on a un système rent-a-bike. C'est un système pour louer des vélos qui est répandu presque partout dans le pays et qui se compose de différentes stations où on peut emprunter des vélos. On peut les prendre pour quelques heures ou quelques jours, vraiment faire un tour et puis rendre le vélo à n'importe quelle station. C'est exactement ce que j'ai fait il y a peut-être 2 semaines et on était aussi à la nature pour voir les oiseaux, aussi oui. Un bel endroit pour faire des photographies. Merci Philippe pour ces précisions. Et donc les vélos, c'est bien pour découvrir la région, mais aussi pour découvrir la ville. Il y a par exemple un tour à vélo UNESCO qui se fait, et aussi la ville de Luxembourg peut se découvrir en vélo. On est donc arrivé à la capitale du Luxembourg, qui a notamment aussi une ancienne forteresse qui date d'il y a 1000 ans. Donc on a à la fois l'architecture moderne qui se rajoute à cet aspect d'histoire. Et c'est un mélange ensemble avec beaucoup d'espaces verts qu'on peut trouver dans la ville aussi, qui donne un mélange fascinant. C'est notamment tout le monde qui peut visiter la ville qui peut éprouver cette fascination.
La ville de Luxembourg, Luxembourgville, est une ville vibrante et multiculturelle et plus de 170 nations y vivent ensemble. Donc il y a une vaste offre de culture et un atout est aussi la cuisine internationale. Quant à l'offre de culture, on va parler avec Valérie Quiles. Bonjour. Bonjour. Culture Elix. Donc l'offre de la culture au Luxembourg, qu'est-ce qui la rend spéciale ? Je crois qu'elle est assez à l'image de ce qu'on vient d'entendre aussi au niveau des paysages, au niveau peut-être culinaire, au niveau gastronomique. Elle est vraiment caractérisée par sa diversité. Déjà, une grande ouverture sur la culture internationale, puisqu'on retrouve ici une programmation tout à fait à l'image des grandes capitales européennes et internationales, mais aussi un soin attaché à la création nationale et locale qui fleurit de plus en plus et qu'on voit s'épanouir dans un certain nombre de grandes institutions et d'institutions plus moyennes ici sur le territoire. Donc vraiment diversité, ouverture sur l'international et capacité aussi à accueillir des artistes qui viennent d'autres pays et qui décident de choisir le Luxembourg comme terre de création, qu'ils soient photographes, qu'ils soient auteurs, qu'ils soient chorégraphe, qu'il soit plasticien, et ça crée vraiment une dynamique et un échange sur la création et sur la scène artistique luxembourgeoise. Mmh. D'après vous, quel est le meilleur moyen de vraiment plonger dans la scène culturelle du Luxembourg ? Alors, il y en a de nombreux. Il y a déjà traversé la ville, et on l'a aussi évoqué. La culture, c'est aussi son patrimoine, bien sûr, la forteresse. C'est aussi cette architecture contemporaine où on va retrouver aussi bien des grands noms de l'architecture mondiale que des grands noms de l'architecture luxembourgeoise. C'est prendre le temps, de se promener à la découverte de l'art dans l'espace public. Ça permettre, en tout cas, en marchant ou à vélo, de pouvoir avoir une première appréhension. Et après, on va pousser les portes des musées. On a quelques grands musées internationalement reconnus, comme le MUDAM, le musée d'art moderne du Luxembourg, avec sa très belle collection contemporaine, mais aussi la Philharmonie de Luxembourg, très beau bâtiment architecturalement parlant, mais aussi une programmation tout à fait internationale et des festivals intéressants. Et on va aller les théâtres de la ville, qui ont aussi une programmation internationale et nationale. Et on va se faufiler pour aller sortir des frontières de Luxembourgville, parce que la culture est très présente aussi sur les territoires régionaux. ESH 2022 va bien sûr mettre un très grand accent sur tout ce territoire du Sud, et ils en parleront, mais quelques nouvelles institutions qui s'ouvrent, comme le nouveau centre d'art à ESH-sur-Alzette, ou n'hésitons pas à aller vers le Nord pour, et M. Paul Lesch du CNA l'a dit, découvrir cette sublime exposition Family Hoffman à Clairvaux, qui pour moi m'ont provoqué parmi les plus grandes émotions ici au Luxembourg. C'est vrai que l'exposition Family Hoffman est vraiment très forte. Y a-t-il d'autres points ou des exemples concrets à vraiment ne pas rater du point de vue culture ? Il y a des événements, bien sûr, comme les festivals. C'est toujours des moments clés pour les différents pays et pour les différentes villes. Il y a un temps très fort si on veut découvrir la richesse muséale, notamment en ville de Luxembourg, qui est la Nuit des musées, qui est en octobre, qui permet de relier dans un événement festif, performatif, l'ensemble des 7 musées qui court sur un peu plus de 1 mile, justement, tout à fait faisable à pied, mais il y a des navettes aussi. Et les transports en commun sont gratuits au Luxembourg. Donc je pense aussi pour le public, cette accessibilité, proximité d'un lieu à l'autre pour aller d'un musée à un autre, d'un lieu de concert à un autre, gratuitement, alors soit en vélo, mais soit en transport en commun, facilite beaucoup la mobilité des publics et la mobilité des touristes sur ces différents lieux. Mmh. Jusqu'à maintenant, je pense que c'est unique au monde. Même le transport public est gratuit sur tout le territoire du Luxembourg. À cet endroit, merci beaucoup pour ces précisions. Vous allez nous quitter. Thierry oui. Courten de ESH 2022 va nous rejoindre. Merci. Merci. La culture, c'est effectivement aussi un élément qui permet à une région de se développer et c'est notamment aussi le cas pour ESH 2022. Et Chrissy a quelques impressions pour nous. Ich bin Chrissy Walter und ich bin geschaut mit am Hemisch Region de Minas. Heute sei den Success Story von Lützeburg. Von der Stahlindustrie bis bei einer Wissensgesellschaft, von Dampfloks bis Urban Art. Meine erste Station ist der Fond de Grasse. Das ist am Anfang ein Freilichtmuseum im Stahlindustrie, die am Süden von Lützeburg am Anfang vom letzten Jahrhundert ganz groß war. Heute
treffen uns der Frederik, den sich um den Minnepark von der Gras bekümmert. Was kann ihn dann alles so heute gewinnen? So? Ma, wat von der Gras ist ganz bekannt für sein zwei historische Zisch. Mia Spundi kann nach Juelen an den 1900 mit seinen großen Dampflokomotiven. Am Situm aber auch ganz flott historisch Gebäude, wo man als Ausstellungen dran und Guara auch historisch ganz, ganz flott. Der Sitz vom Fond de Grasse war auf einem wichtigen Platz, wo ganz viele Eisenerz aus Galerien rausgeholt wurden. Das ist die Minenhäuser aber auch so? Nein, das ist eine Galerie aus dem Abgemäht, für die Leute können eben durchführen mit der Minenspun. Die Bande kriegen von den Benevolen ein schönes Visitgemäht. Sie haben noch viele Maschinen, die noch funktionieren. Da kriegen wirklich eine richtige Impression, wie die Demos war, die Leute an der Galerie geschafft haben. Wir machen eine Tour durch den Fond de Grasse. Mir gefällt besonders die alte Epicerie. Wirklich ein flotter Ausflug an Vergangenheit. Aber hier geht es direkt an die Gegenwart zurück. Ich fuhr am Zug von Niederkur durch den Minat bis auf den Sitz Balwoll. Dort sind direkt an einer anderen Wald. Vom Zug aus sind ich sehr da. Die ganze Karte ist ein ungewöhnlicher Mix aus Aal und Neu. Wir sind heute im Balwoll um Heischurven A und ich muss schon sagen, die Gebäude sind schon immens impressionant. Es sei denn, das Alt von der Stahlindustrie und irgendwie habe ich auch einen Zusammenhang damit, weil meine Großeltern und meine Urgroßeltern an der Stahlindustrie heute zu Lützburg geschafft haben. Natürlich haben wir auch das ganz neu, zum Beispiel haben wir die Luhai und natürlich auch die Zeilenzentren. Und dadurch ist eine Mischung zwischen allen neu, die immens schön ausgesehen. Busverbindungen sind wirklich super heu. Und plus aus den öffentlichen Transport a ganz Lützburg gratis. Wir gehen nur mal zu Fuss, Matten und Natur. Um Lollinger Biersch sehen wir für Warte Minet auch Red Rock oder Land von der Roten Erde heißt. Ich treffe heute Gregory, mein Mountainbike Guide. So, ich gesehen, du hast mal Velo geprüft, ein Mountainbike. Was kann dir dann heute so ein Mountainbike machen? Den Red Rock bietet am Anfang eine coole Sonne, die du nicht mehr heute findest. Und ich hoffe, dass ich heute mal den impressionieren. Wir haben den Dachbaugebiet schon drin. Und wir fahren ein bisschen da durch. Und du siehst die rote Bude mal so viel. Und das durch einen hohen Eisenerzgehalt, den wir hier haben. Und das ist wirklich etwas unik in Luxemburg. Ich hoffe, dass ich das heute ein bisschen weisen kann. Okay. Du das mal an, guck mal, ob es passt. Treffen Industriegeschichte an ein einzigartiges Pflanzenwald übernehmen. Dafür ist der Minat Center 2020 UNESCO Biosphärgebiet. Ich sehe meinem sympathischen Guide Adi und mache mich zu Fuß Richtung Asch. Als Kontrast zur Natur sieht man hier überall Graffiti und Urban Art. Asch hat den eigenen coolen Charme. Viele Aalgebäude transformieren sich in Kunst- und Kulturhäuser. Aus Aal geht neu. Das ist auch die Philosophie von Be New Village mit seinem Upcycling Boutique. Als letzte Station der Pitcher, der Kultcafé von Asch. Merci. Nach einem spannenden Tag am Süden brauchen wir noch einen guten Aufschluss. Da wünschen wir dafür den Pott am Stammcafé der Pitcher. Der Minat wurde so viel zu bieten und da geht ein Tag definitiv nicht durch. Dabei kommt noch, dass Asch und die Region 2022 Kulturhauptstadt ist. Und da wünscht the place to be. Comme Chrissy l'a dit, Esch et la région d'Esch, même au-delà des frontières du Luxembourg, sera la capitale européenne de la culture l'année prochaine, 2022. Et nous avons effectivement l'expert de Esch 2022 avec nous, Thierry Courten. Bonjour. Bonjour. Donc le Luxembourg a déjà été, ou avait déjà des capitales européennes de la culture en 1995 et en 2007. Et maintenant l'année prochaine en 2022. Qu'est-ce que ça signifie être la capitale européenne de la culture? Ben, une capitale européenne de la culture, c'est une ville ou une région qui a obtenu ce titre pour un an de l'Union européenne
pour pouvoir montrer sa culture et son développement. Donc H2022, c'est l'Europe vécue, c'est une région profondément enracinée avec son histoire. En 2022, c'est tout le sud du Luxembourg ainsi que les 8 communes françaises de la CCPHVA qui vont détenir ce titre important afin de souligner la diversité culturelle et sociale de notre région frontalière qui est fortement caractérisée par son passé industriel. Au-delà, H2022 est un projet très participatif et cible tous les groupes cibles de la région. Et H2022, on peut encore rajouter que c'est un investissement dans l'avenir pour des projets et des initiatives qui vont être lancés bien au-delà de 2022. De 2022, des collaborations aussi internationales qui auront lieu. Et donc, on parle toujours H2022, ça commence le 1er janvier ou... Ben déjà maintenant, il y a beaucoup d'événements dans notre région, comme par exemple le WeMix Festival. Mais le coup de départ officiel sera en février 2022. Et à partir de là, vous pouvez faire partie de plus de 130 projets dans toute la région et vivre plus que 2000 événements pendant toute l'année. C'est une offre énorme. Peut-être on pourrait donner quelques exemples. Quels sont les highlights pour vous? Ben moi, personnellement, je n'aime pas trop parler de highlights parce que je pense que chaque projet est unique et il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est pour ça qu'on laisse aussi le visiteur décider pour lui-même quel est son highlight personnel. Peut-être pour nos spectateurs professionnels, quel est un argument, un point de vente unique pour la région? Dès octobre 2020, la région détient le label de l'UNESCO « L'homme et la biosphère » qui valorise le passé industriel et la transformation de notre région dès la dernière mine fermée dans les années 80 au Luxembourg. Donc à de nombreux endroits, la nature montre de manière impressionnante comment elle a repris son chemin et a créé des réserves naturel avec des centaines d'espèces de papillons ou d'orchidées, par exemple. On a vu qu'il y a plein de possibilités à se déplacer au Luxembourg et aussi dans la région du Sud, même avec le transport public qui est gratuit. Quel est le meilleur moyen pour découvrir le Sud? Ben, si vous voulez découvrir notre réserve de biosphère d'une manière durable et si vous voulez rien louper, je vous recommande fortement le Minat Trail. Le Minat Trail est un sentier de randonnée de presque 90 km qui relie toutes les communes au sud du Luxembourg et qui peut déjà être découvert dès maintenant. Que peut-on vivre en tant que randonneur sur le sentier? Y a-t-il d'autres projets intéressants aussi? Ben, un des projets les plus intéressants qui va se réaliser le long du Minat Trail, c'est la construction d'hébergements insolites appelés Cabaye Zacha, qui sont le résultat d'un concours d'architecture national organisé par l'Ordre des architectes et des ingénieurs. Et ces Cabaye Zacha vont être également prêts pour 2022. Cabaye Zacha, c'est un mot très mignon en luxembourgeois pour dire petite maison. Donc, c'est que pour les randonneurs ou tout le monde peut y aller? Non, ce n'est pas seulement pour les randonneurs. Donc, aussi, si vous êtes cycliste, par exemple, vous pouvez découvrir aussi tous les hébergements du Minat Trail, par exemple, sur le long du Minat Cycle Tour, avec ses 3 circuits thématiques. Les 3 circuits thématiques de la Minat Cycle Tour s'étendent sur un total de près de 200 km et vont être aussi praticables en printemps 2022. Y a-t-il des circuits qu'on peut réserver ou peut-être une offre spécifique que vous recommandiez? Pas adapté aux visiteurs individuels, l'Office régional du tourisme propose une bonne sélection de visites guidées dans toute la région, que ce soit lors d'une randonnée au flambeau dans la réserve naturelle du Alagrone ou sur le sentier naturel au Guillebotard. Aussi, les visites guidées proposées par le Fonds Belval sont fortement recommandables. Et pour des visites de groupe, vous pouvez vous adresser à notre agence réceptive officielle Zales Lens. Merci beaucoup Thierry Courten de H2022. On croise les doigts pour vous, pour l'année prochaine alors. On est déjà presque arrivé à la fin de cette édition de Lucie TV. On a encore reçu une question en cours de route que je vais poser à nos invités. Donc, est-ce qu'on peut faire aussi de l'écotourisme au Luxembourg ou dans la région? Peut-être Marianne? Oui, bien sûr. Bon, on a vu dans le reportage les cabaises, les petites cabanes, et aussi dans d'autres régions, le camping est une façon de faire pratiquer le tourisme près de la nature. On s'installe aussi dans des petites cabanes en bois. Et ensuite, dans l'hébergement en général, les restaurants, il y en a beaucoup qui travaillent avec les produits nationaux, régionaux, locaux même, et de manière durable. Oui, je pense que ça, c'est facilement faisable.
Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a aussi, comme on l'a vu, beaucoup de forêts au Luxembourg, beaucoup de nature et des régions très diversifiées. On est arrivé à la fin. Sur notre landing page, vous pourrez encore trouver d'autres informations à des sujets divers. Et vous pouvez aussi vous adresser à tout moment à nos collègues du département du trade, aussi par exemple pour organiser un femme trip. Sur la landing page, vous pouvez également trouver les vainqueurs de notre concours pour les créments luxembourgeois. J'espère que ça vous a plu. Je dis adi, à merci, au revoir et merci et à bientôt au Luxembourg.